S'il y a une commune qui, avec celle de Bignona, échappe encore au contrôle de l'Alliance pour la République et de la mouvance présidentielle au niveau du département éponyme, qui en compte 19, c'est bien celle de Karthiak. Une commune qui s'est même payé le luxe de voter non au dernier référendum. Et c'est donc pour changer la donne que des cadres intellectuels de ce terroir ont décidé, le 27 mai dernier, de se lancer dans le landerneau sociopolitique local avec le mouvement d'action citoyenne MAC Dito, qui veut dire « Levez-vous Angola » pour soutenir la politique du président Macky Sall et propulser du coup Karthiak sur la rampe de l'émergence. Siaka Boya est le coordonnateur de MAC Dito. Nous avons, dans le cadre d'une organisation de développement qu'on appelle le mouvement d'action citoyenne, Guito qui veut dire levez-vous Angola. Nous voudrions créer ce mouvement-là pour accompagner les actions locales de développement qui sont là pour prendre en charge le développement de la localité, le développement du département de la commune. Nous avons pensé que, au regard des nouveaux enjeux de développement, avec les actes liés à la décentralisation, ce serait bon que les gens s'organisent pour accompagner les populations par rapport à la compréhension de la politique de l'État, par rapport à la compréhension de la politique de décentralisation. Donc nous sommes un mouvement d'accompagnement politique, mais aussi d'accompagnement citoyen et économique. Sur le plan politique, nous travaillons à l'émergence de cadres politiques locaux forts qui puissent prendre en charge les préoccupations de développement du village et de la cité. Sur le plan économique, nous voudrons accompagner les porteurs de projets viables qui puissent concevoir et mettre en œuvre des projets de développement à la recherche de financement alternatif pour accompagner les organisations locales de développement. Alors, maintenant, nous pensons qu'il faut un mouvement, une organisation qui puisse accompagner toutes ces dynamiques de développement. Mais au-delà de ça, nous allons travailler à l'émergence de leaders politiques forts et pluriels pour qu'ils puissent être un cadre de plaidoyer, un cadre de lobbying pour faire émerger vraiment les ambitions du village et de la cité. Nous avons pensé que le président de la République a beaucoup fait pour le village de Karthiak, pour la commune de Karthiak. D'abord, pendant la circoncision, la cérémonie de Boukout passée en 2012, on a bénéficié d'appui consistant en vivres. Et le forage a été dépanné. On a renforcé le réseau hydraulique pour l'eau, l'alimentation en eau. Et il a aussi renforcé le réseau électrique du village. Nous pensons que pour ces raisons, le président de la République méritait d'être félicité, d'être remercié. Pour aussi une autre raison, par rapport à la pertinence de sa vision, par rapport à la pertinence des actes forts qu'il cesse de prendre chaque jour, il mérite quand même d'être félicité, d'être encouragé, pour qu'émerge enfin un Sénégal nouveau, un Sénégal de paix, un Sénégal prospère. On sait que la commune de Karthiak avait choisi le camp du non, c'est-à-dire dans les lors de la consultation du référendum. Est-ce à dire que votre objectif maintenant est de faire basculer la commune de Karthiak vers la mouvance présidentielle? Bon, le non, nous pensons que comme c'est un choix souverain de la population, alors nous avons constaté ça. Ça n'a pas été le souhait du président, mais il faut quand même respecter le choix de la population qui, de façon souveraine, a opté pour le non. C'est un message fort qui est aussi lancé à travers ce bon non envoyé au président de la République pour dire que malgré les nombreuses et heureuses initiatives qu'il ne cesse de prendre pour la Casamance, pour le Sénégal et aussi la commune, alors... MAC Dito, cadre d'organisation de développement, entend donc non seulement créer sur le plan social les conditions de l'émergence, à savoir l'unité, la solidarité, la communication, le dialogue intelligent, la paix, mais redonner également au finish à Karthiak sa posture d'antan, sa posture de centre d'impulsion politique, intellectuelle et économique dans le département de Bignona. Et cette démarche, selon Siaka Goudjabi, découle des constats historiques et actuels sur l'évolution de la localité et de ses environs aux plans économiques, politiques, sociaux et culturels, appréciés et mis en relation avec les problématiques actuelles de développement.
Toute chose que l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Saint-Louis aussi avait auparavant décliné dans un discours adressé à un public venu nombreux et composé, entre autres, d'élus locaux, de leaders d'opinion, de responsables du MAC, de notables, de jeunes et de femmes, tous sympathisants du MAC Djihito. Voici l'intégralité du discours de Siaka Goudjabi. Cette rencontre provoquée à l'initiative de fils et de filles de Katiak, sous l'impulsion du mouvement Djihito, des cours d'analyse et de constat historique et actuel sur l'évolution du village et de ses environs au plan économique, politique et social. Ces analyses et constats ont été appréciés et mis en relation avec les problématiques actuelles de développement. Pour rappel, Katiak, par le passé, avait joué un rôle de un rôle pionnier dans l'histoire politique, économique, culturelle, sportive de Katiak, du département de Vignona et de Boulouf. Il a été un centre d'effervescence historique au point d'être le leader du développement local. Il en était presque la capitale. Ce souvenir d'un passé glorieux reste encore vivace dans les esprits de fils et des petits-fils de Katiak. Tel est le viatique légué par nos parents. Mais à présent, force est de constater avec un amer regret que cette page lumineuse de notre histoire est tournée. Il convient également de rappeler qu'à la suite de ce passage, de jeunes cadres intellectuels d'alors avaient tenté de reprendre le flambeau du leadership par une entrée politique remarquée et remarquable, mais sans beaucoup de succès pour les communautés. Dans un contexte actuel de décentralisation, d'abord 1972 avec la création des communautés rurales, 1996 avec la création des conseils régionaux et le premier lot de transfert de compétences à la base au niveau des collectivités locales, et enfin depuis 2013 avec la mise en place de l'acte de la décentralisation. Donc, dans un contexte actuel de décentralisation, d'importantes compétences ont été transférées aux populations par l'intermédiaire des collectivités locales. Le plan Sénégal émergent, cadre fédérateur des politiques de l'État, est mis en place avec comme objectif majeur l'émergence socio-économique durable du Sénégal. Articulé à l'octroi de la décentralisation, le PPDC, projet de promotion du développement de la Casamance, ou bien projet pôle de développement de la Casamance, bien consacrer l'option de l'État de placer la Casamance naturelle au centre des politiques publiques. À présent, les communes sont appelées à jouer de nouvelles responsabilités, avec plus de pouvoir aux populations à la base, désormais maîtresses de leur destin. Au regard de ces nouveaux enjeux de développement, les défis à relever sont nombreux. C'est d'abord la participation citoyenne de qualité à la vie socio-économique, le contrôle citoyen de l'action publique, l'émergence économique locale, la construction d'entités sociales solides et viables. Pour relever ces nombreux défis, le MAC Djihito a été créé avec principalement trois objectifs. Un objectif économique, un objectif politique et enfin un objectif social. Sur le plan économique, l'objectif reste d'accompagner les porteurs de projets économiques viables et rentables par un appui méthodologique, technique et financier. C'est à cette condition que se formera une élite économique locale capable de porter le développement à la base, expliquer également les grandes orientations de la politique sectorielle de l'État en vue d'une meilleure compréhension et d'une plus grande appropriation à la base de la vision de l'État. L'objectif politique reste de travailler à l'émergence de cadres ou de leaders politiques forts et nombreux, qu'ils soient des députés, qu'ils soient des directeurs généraux, qu'ils soient des PDG, qu'ils soient des PCA, des ministres. C'est le cas par exemple de Saint-Louis, sans aucune gêne. C'est lui qui a beaucoup de cadres politiques et beaucoup de cadres économiques également.
Ces forces précitées s'obtiennent par deux qualités essentielles. Le mérite intellectuel ou l'expertise technique et le poids politique qui renforce celui des autorités en charge des destinées du pays. Plusieurs cadres politiques forts feront ainsi la force et la fierté de notre village et de notre commune et enfin de notre département, mais aussi du Sénégal, parce qu'ils constitueront, à notre sens, une force de lobbying et de plaidoyer efficace pour porter et défendre les préoccupations de notre cité. Ils développeront des stratégies innovantes pour capter des ressources additionnelles par le partenariat ou à travers l'État pour venir en appui aux collectivités locales ou bien à l'ADECA. Chers compatriotes, chers Kartiakois, notre cité ne manque pas de cadres intellectuels ou d'experts dans tous les domaines de la vie économique nationale. Cet énorme potentiel humain peut être valorisé au bénéfice des populations locales grâce à un accompagnement approprié. Mais si certains parmi nous sont peu enclins à entrer en politique, c'est probablement par manque de confiance, mais et surtout par peur de ne pas être soutenu par la communauté. Aujourd'hui, dans un monde globalisé, soumis à une rude compétition au sein des communautés, au sein des départements, entre les régions et entre les nations, chaque cité, chaque village, chaque ville, chaque département ressentira la fierté d'avoir ses dignes et braves représentants à tous les échelons de la vie politique et économique nationale. Il s'agira ici, dans notre cité, de créer les conditions de l'émergence de cadres locaux qui entreront en compétition avec d'autres au niveau départemental, régional, national ou même continental. Je voudrais bien dire ceci, ici chez nous, point de compétition. Il n'y a pas de compétition possible entre nous dans nos petites cités. Il s'agira pour nous de créer les conditions d'une émergence locale plurielle pour former et accompagner des leaders politiques ou intellectuels forts, capables d'accompagner et de soutenir le développement local. Le seul réglage consiste à positionner les uns et les autres selon leurs atouts et leurs qualités pour les rendre compétitifs. Après nous avoir bénis et soutenus pour accéder à ce que nous sommes aujourd'hui, chers parents, chères populations de Kartiak, votre mission, votre rôle reste à présent selon nous de nous soutenir au plan moral, social, pour accéder aux postes politiques, pour qu'enfin nous soyons vos représentants capables de porter efficacement les préoccupations de la cité. Il nous faudrait réunir les conditions politiques au niveau local pour être présents et faire face aux compétitions qui se dessinent pour avenir dans tous les domaines. Mais dans ce champ politique complexe, le positionnement pluriel et éclaté nous paraît être la meilleure stratégie pour nous maintenir dans une posture appréciable et durable. Cette rencontre s'est tenue dans une grande ambiance à Kartiak, une localité du département de Bindiona.